Je m'appelle Adeline, je suis chargée de production dans le spectacle vivant et co-directrice d'un lieu de résidence d'artistes. Et dans le roller derby, on me connaît sous le nom de Magic Ass. Voilà, c'est mon derby name. Je fais du roller derby depuis 2013. J'ai commencé en septembre. J'ai commencé parce que j'ai rencontré en fait une joueuse qui s'appelle Décibel et qui m'a donné envie en fait tout simplement d'essayer. Et ça a été un peu la révélation parce que j'avais envie de refaire du sport. Je consacrais beaucoup de temps à mon métier et puis malheureusement j'avais peu le temps de faire du sport et il se trouve que la pratique du roller derby se fait le dimanche. Donc le roller derby est né au début du XXe siècle, dans les années 20, on le situe dans les années 20 et à la base c'était une forme de roller catch, on peut appeler ça comme ça parce qu'il y avait nos limites, les filles se tapaient dessus de manière non réglementée. Ça a disparu sous cette forme-là, c'est réapparu avec le roller disco dans les années 60 pour redisparaître après. Alors pourquoi, on ne sait pas vraiment, ça c'est des courants après sportifs ou autres. Et ça a réapparu sous sa forme actuelle dans les années 2000. Donc voilà un peu comment j'ai commencé. Puis en fait c'est un sport qui est très addictif très vite, d'une part par l'esprit un peu communautaire qu'on peut rencontrer dans le roller derby, parce que du coup c'est un jargon un peu particulier, c'est des références, c'est aussi un sport qui est très physique, qui est très ludique, mais qui par son côté très sportif, finalement nous fait nous dépasser plus que ce qu'on aurait pu soupçonner. Et puis voilà, du coup ça nous crée des liens très forts entre nous, entre les joueuses et puis aussi entre les arbitres, voilà, tous les gens qui font partie du sport. Et du coup, moi j'avais connu que des sports individuels par ailleurs. Je fais du patin à glace, je fais de la natation, de la gym, mais jamais du sport collectif parce que j'avais jamais trouvé mon truc en fait à faire en équipe. J'ai vraiment découvert ce que ça veut dire aussi le collectif. Qu'est-ce que c'est l'équipe, quoi ? Qu'est-ce que c'est la cohésion d'équipe ? Qu'est-ce qu'on a à travers ça ? Parce que la cohésion, c'est aussi la cohésion sociale, ce qu'on fait à côté, qu'est-ce qui nous construit en tant qu'équipe, en tant qu'individu. Aussi bien, on va dire, une équipe, ça a aussi une image extérieure. Qu'est-ce qu'on renvoie aux autres en tant qu'équipe ? Aux autres de la société civile qui ne font pas de sport, mais aussi aux autres membres de notre propre communauté qui est le roller derby. Ça, c'est très intéressant du coup d'en avoir conscience et puis de le porter ensemble de chaque année. Et puis on a cette force-là chez les Simones, c'est qu'on a un esprit collectif et associatif très fort. Parce que ça c'est une autre part du roller derby que j'ai découvert en y rentrant. Alors qu'on commence, on ne sait pas trop où on met les pieds, que ce soit sportivement parlant ou même au niveau assaut. Mais c'est un sport où on fait tout toute seule. Donc les joueuses doivent tout construire, tout faire. Il n'y a pas, comme dans d'autres sports, l'entraîneur, un autre entraîneur, un président, des gens qui pratiquent plus le sport, mais parce que c'est les enfants d'eux, ils vont faire. Enfin, non, là, c'est nous, toutes seules. On doit aller chercher l'argent, on doit se débrouiller pour faire, avoir de la ressource propre, etc. Et donc ça, c'est une part très importante que j'ai découvert la première année où je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait, en plus de faire son sport, mettre la main à la pâte au niveau associatif.